Les portes du paradis qui s'ouvrent. Salut les animaux légendaires, on est avec Romain Gonsard. Salut les guys. Donc d'habitude c'est Joris qui vient nous filmer dans nos parcs et essayer tous nos petits modules. Aujourd'hui on a décidé qu'on allait échanger la situation. Donc on est au Daywalk Park, on vient shooter Joris, on vient tester le parc. Il fait super beau. Ça va être deux jours incroyables. Ça va être deux jours au top, on va casser le parc. Pour ces deux jours, on a pris deux guests VIP, Inès, salut. Andrea, bonjour, dans ce chalet. On va essayer de tout vous filmer, ce soir, demain matin, ce qu'on mange, l'ambiance ici, le parc, le setup surtout, mais ça va être cool. On va faire le room tour du chalet. Chalet 3 avec la mezzanine en haut, la salle de bain. Grande chambre. Magnifique. Et le must. La vue sur le parc. Allez, on va se faire une petite corde, on va tester le parc, regarder le setup. Parti! L'avantage du bipouli, c'est que c'est plus stable. Voilà. Un pion rouge. Ensuite une petite tournante, une petite casse, une petite box plate, ça c'est toujours bien. Et le Grève-Burette. Et bien sûr, comme tous les parcs de France, on finit avec nous deux, piqueurs à droite et à gauche. Bon alors, ton impression à chaud? C'est incroyable. Les modules glissent beaucoup. Le grimpe est technique hein, quand même. Andrea, elle est contente. Ça, c'est un coach parfait. Ah.
impeccable. Merci. S'il vous plaît, quand vous venez au DAU, ne prenez pas de coca, prenez du fizz, c'est une tuerie. Premier repas, bon app. Bon app. Ok les gars, du coup là on a grave bien mangé. Là on va se faire une petite pause paddle et puis Cédric il va nous faire des super plans en drone FPV, ça va être trop cool. Une concentration énorme. 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 Il est de retour parmi nous. Magnifique. Promis. Coucou. T'as zitché là. Moi sinon aussi au DAU il y a un sauna. J'en ai fait un cet hiver, c'était trop bien. Mais là il fait 37 degrés alors je vous avoue que flemme. Mais bon je vais vous le montrer quand même. Voilà à quoi ça ressemble normalement. En hiver. Et là, il y a la vue sur le parc. Petit repas du soir. Algues, riz, crevettes, fraises, romain. Et le spot en arrière-plan. Waouh. Et nous alors? Et toi? Hola. Alors là, on vient tout juste de se réveiller. Je pense que ça peut se voir à nos têtes. On a trop bien dormi. Et puis là, on va aller petit déjeuner. Salut Cédric. Mais avant ça, je vais vous montrer la vue qui est trop belle depuis le chalet. On voit le spot. Je sais pas si vous verrez. Mais c'est trop canon. Voilà. Bonjour. Bon les gars, c'est l'heure de vérité pour nous. C'est une grande étape dans la vie d'un rider. L'étape des têtes en bas sur un module. On croise les doigts, on est un peu stressé avec Cédric, mais ça devrait bien se passer. On a déplacé le bumper juste avant l'iceberg. Donc on va essayer de prendre le bumper. Hop, tête en bas, on va retomber dans le plan incliné. Ça fait peur mais ça va être génial, on va bien s'amuser.
ta vie en direct de cette corde. Génial, je suis rincé, j'en peux plus. Bravo à toi, c'est beau. Bon, ça y est, je suis passé à l'abattoir. Alors, ressenti là, avant de passer à l'eau? C'est à mon tour. Un peu de pression parce que Cédric a réussi, donc faut réussir aussi. Et on va essayer de pas mourir et de faire un truc stylé. Allez mon cochon! Ah! Yeah! Biche! Biche! Oui! Regardez-moi ce marin d'eau douce. Deuxième round. Bon hop. Merci. Oh le Cédric il est chaud. Il va nous faire une petite démonstration de trempeau. C'est beau ça. Oh merde. Rewind. Ah tu vois que c'est facile. Toujours en sens qu'on peut faire de toute façon. Bah. Magnifique. Yeah. Bon voilà les animaux, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous me voyez là maintenant, c'est sûrement aussi parce que je n'ai pas eu le temps de rider ou je n'ai pas eu le temps forcément de faire tout ce que je vous avais promis dans la première vidéo de cette saison. D'ailleurs, je pense aussi que si vous voyez que je ne sors pas de vidéo, c'est que je n'ai pas le temps. Et comme je vous avais dit, cette année, c'est que du kiff. Donc j'en profite au max, ne vous inquiétez pas. On reviendra cet hiver avec des contenus peut-être un peu inédit, hein, parce que durant l'hiver, je pense pas que le wakeboard intéressera du monde. En tout cas, les années précédentes, hein, je voyais qu'il n'y avait pas grand monde qui était très intéressé. Moi, je les remercie tous les quatre, en tout cas, d'être venus et puis de s'être challengés sur le parc, ainsi que challengés avec leur fourchette, au sauna et tout le reste. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les animaux légendaires. Bonjour. Bonjour. M'exposez.